Notre rapport au fleuve était assez, disons, facile. On descendait très souvent sur les quais. On fréquentait les dockers. Quand il y avait des fois des chargements de sucre qui arrivaient, ils étaient un peu sympas avec nous. Si jamais ils nous voyaient, les regarder et puis regarder leur travail, quoi. Malencontreusement, ils laissaient tomber un sac de sucre et puis bah, ils s'éventraient et puis nous, on se précipitait dessus pour manger la cassonade plus que de raison. C'était franchement, c'était sympathique, quoi. Il y avait des bons rapports. Puis le rapport au fleuve aussi, c'était une eau qui n'était pas beaucoup plus claire que maintenant, mais qui nous servait quand même d'école pour la natation. Moi, j'ai appris à nager dans la Loire, bon, sur le bord, dans les escaliers des estacades, quoi, mais c'était. Mais moi, j'étais pas très en pointe sur ce sujet-là. Il y en avait qui étaient beaucoup plus vieux puis plus costauds que moi, qui traversaient souvent la Loire, en s'arrêtant des fois sur le quai Wilson, mais des fois directement de Sainte-Anne à Trente-Mous. C'était des performances à travers les bateaux qui passaient, les remorqueurs qui les pourchassaient, parce que les gens, les remorqueurs, quand ils voyaient des nageurs dans le port, bon, ben, il leur faisait pas de cadeau, hein. Un coup de sirène, et puis ils essayaient de leur faire peur pour essayer de dissuader de recommencer, mais bon, ben, ça avait aucun effet, hein. Mais c'était des bons nageurs quand même, parce que pour traverser, il y a quand même, faut rencontrer à peu près 3 ou 4 courants. Avec les courants des berges, tout ça, il n'y a pas de remous à cet endroit-là, mais il y a beaucoup de courants. Et à marée descendante, ça pulse, hein. Mais à 18 ans, on n'était pas trop regardant. Et puis ça nous servirait aussi à nous glorifier à côté des filles quand on allait au bal à Trente-Mous. On disait que oui, bah, de toute façon, même s'il n'y avait plus de barque, s'il n'y avait plus de Rocchio, on reviendrait à la nage, quoi. C'était de la gloriole un petit peu, quoi.